Contenu et donc l'autre qui m'a pénétré quoi. C'était dans quelle zone? Merde. Du côté des chiens. Je m'excuse, hein, monsieur l'inspecteur, mais je suis trop... C'est le quartier des Chicanos. Le quartier des Chicanos. Bien. Je sais pas si vous allez prendre son avis. Pourquoi vous rigolez, moto? Moto, arrêtez de rigoler là. Dans mon cul. Vous allez m'énerver là. Arrêtez là, moto. Excusez-moi. C'est quel quartier, vous pouvez me répéter? Je vous entends pas bien. Il t'a fait violer ou t'es pas quoi là? Ouais. Par des motos là, t'es, comment vous avez dit? Répétez, s'il vous plaît, quel quartier? En fait, je suis sorti de l'aéroport. Je me dirigeais vers chez mon ami, quoi. Et donc, arrivé dans... Je connais pas trop bien le quartier. Je savais même pas comment elle s'appelle, cette ville-là. On me disait, ouais, il faut faire gaffe, quartier Chicanos. Et comme par hasard, je me suis retrouvé dans ce quartier. Et donc, passé la voiture, ils m'ont fait un barrage. Et ils m'ont sorti du véhicule. Ils étaient 3 à 3. 3, mais détablier comment? Et donc, je viens maintenant pour porter plainte sur X. Et je sais pas si vous allez prendre l'ADN parce que j'ai encore son ADN. Attends, je vais faire un appel radio. Bah, vous nous moquez de nous là, rien. T'es pas normal, t'as un. T'attends, hein. T'es en mode de pas rigoler. Hein. En moto là. Il était 4, vous pouvez me revenir au commissariat s'il vous plaît. En moto là, je vous parle. Merci. Moto. Arrêtez de rigoler là, de pas rigoler avec vous. Vous allez venir en cellule, vous devez rien comprendre. Hein. Il y a une personne qui va venir pour se charger de votre ADN, pour choper l'ADN. Vous allez le prendre où? T'auras des doigts dans le cul, avec un taux de contrainte. Ça va faire double pénétration, hein. Il va avoir très mal le moto. J'en parlerai avec l'unité qui arrive actuellement. Ah le gamin. Si vous avez un coton-tige, je peux aller frotter aux toilettes. Arrêtez monsieur, vous faites mal à la mâchoire à force là. Oh mais non. Pourquoi je suis allé dans ce coin dans Zaria quoi? Monsieur, vous rejetez ce fusil à pompe que vous venez d'avoir dans le véhicule de police. Dépêtez-vous là. On vous a vu votre polité là. L'alarme, allez, dépêtez-vous là.
Quel fusil? Vous avez vu prendre rentrer dans le véhicule de police et prendre un fusil. Ah, collègue, t'es le tardeur qui peut te faire, t'es pas le flingue. Hein. Bon, à 3, des coups de tardeur. 1, 2. Comment on fait pour jeter? Non, 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 Nicolas. Non, non. Tu te débrouilles, tu l'enlèves. T'as juste à le lâcher. Comment on fait pour le. T'en mets Y. Il t'es ton manette. La tête va te dire. Je veux pas, je vais lâcher. Moi, je vous dis la tête va te dire. Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que vous avez jeté? Ah oui. J'ai pris. Du coup, vous allez descendre avec moi, s'il vous plaît. Bah, Nicolas, vous vous êtes fait. Allez, détends là. Désolé de du dérangement. Non, y a pas de souci. Hein. Vous voulez que je vous donne un coton-tige du coup? Ouais, c'est ça. Je vais aller faire un petit frottis, puis je vous donne le coton-tige. Attendez, je vais vous chercher ça. Ok, parfait. La moto, mettez-vous devant le bureau, s'il vous plaît. En moto, que t'es débatté, dites-moi tout. Hein. Voilà pour vous, monsieur. Voilà, merci. Je ne comprends pas. Attendez, attendez. Attendez, parlez un peu plus fort, là, je ne comprends pas. Hein. Parlez un peu plus fort. Je suis de police parce que je voulais visiter un peu l'intérieur. Et j'ai trouvé un fusil à pompe. Bah, pourquoi vous voulez un véhicule de police? Vous pouvez me dire? Non mais bon, je veux juste vous allez vous occuper de la personne qui est tellement vestiaire. Vous allez vous occuper de sa place parce que là moi clairement j'y arrive pas. Comment? J'ai pas compris. C'est du vol de véhicule de police. Vous allez vous occuper de sa place. Vous êtes condamné pourtant. D'accord, très bien, je m'en occupe. Mais avec moi monsieur. Attendez, ne comprends pas le collègue là où il parle tout fort. Ah vous pouvez pas parler tout le monde là-bas. Allez avec mon collègue. De quoi me tout? Attendez. Monsieur, venez avec moi, s'il vous plaît. Bon, vous avez volé un véhicule de police? Attends. Bon, Nicolas, j'espère que tu donnes le tarif en paye. De quoi? Bah, mets-lui l'amende et de vol de véhicule de police. Vous voulez visiter à qui parle? Vol. Ouais. Ça fait une amende de 5 000 euros à payer. Maintenant, on vous parle. Faut qu'il ait une petite absente cerveau là. 5 000 euros? 5 000 euros, oui. Et 5 000 euros? Oui, 5 000 euros. Vous avez bien compris. Mmh. 5 000 euros, t'avais qu'à pas monter dans un véhicule de police et prendre une arme. C'est pas moins cher. Ah bah c'est le tarif qu'on vole une arme. Attendez, on va être un petit peu sympa, non? Non, y'a pas d'empathie. C'est quoi le moins cher? 3 000 euros au pire. Non, 5 000, t'es tout. Dernier prix. Oh, t'es non, toll. 5 000? Oui. Vous vous plaignez, c'est combien de temps? Si vous vous plaignez, on augmente 2 000 euros à chaque fois. Ok, bon bah c'est bon. 5 000 euros, c'est ça? 5 000 euros. Ok. Je donne à qui? À Nicolas. D'accord, tout de suite. Laissez-moi un instant. L'unité qui a pris la personne en... pour sa plainte là-haut, vous en sortez? Capitaine, vous vouliez me voir?
C'est pour prendre à l'origine la personne. Attendez, venez, venez. Bon, t'es pas grave, on va dire que vous avez payé, moto, hein. D'accord? Allez, oh. Maintenant, de vous ramener tout cas là-haut, t'es parti, hein. Non, non, de vous ramène, trouvez-moi la moto. Non, c'était juste pour s'occuper du mec avec sa plainte parce que j'y arrivais pas, au fait. Clairement, ah, d'accord, très bien. Je sais pas si vous avez compris son histoire, mais. Pas grand chose. Bah, au fait, il me racontait qu'il s'est fait violer par trois mecs, au fait. Ah, d'accord. D'accord, ah, et c'est ouais, une j'en pouvais plus. Inédite, ouais. J'en pouvais bon, plus. Allez, bonne tournée, moto. Je recommande depuis le temps. Je pense que vous allez l'avoir avec la collègue là-bas d'en avoir. Au revoir, monsieur. Oui, ouais, ouais. Et là, on vient d'arrêter aussi un gars pour vol de véhicule de police dans un véhicule de police. Bonne tournée, collègue. Voilà, ah, c'est oui, fait. Ça c'est. Et vous pouvez y aller, bon rétablissement. Pardon ? Merci, hein, c'est très gentil. Faut qu'il dépose l'arme. Il l'a déposé. Au revoir et bonne soirée. Moi, je devais pas traîner en partouille. Hein. Partir en patrouille, moi. Faut être deux pour la patrouille. Et ben, la multiculturalité. De quoi t'as pas compris? Ouais, peut-être que vous faites des problèmes d'un peu de. Avec son histoire de viol? Ah, mais ouais, mais son histoire de viol là. Ah, oui. Le pauvre il s'est fait déchirer l'anus, comme on dit. Ah, oh, putain. Il a sorti l'ADN de son cul lui-même. Ouais, mais bon, je pense que le coquin a pas fait que pleurer, hein. Je pense qu'il a apprécié un petit peu. Hein. Ça, c'est pas des propos qu'on devrait attendre à la police. les gars. Ah, ça tire là, non? Oh, coup de feu, en bas. Comme avec le fusil à pompe, je crois. C'est encore le même. Oui. Ok, sur le Discord. Office central, bien pris.
Voilà, par tout le premier épisode vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner, c'est pas déjà fait. Bye bye tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bye!